Ah, monsieur le maire. Richard, chien qui fait le vétérinaire. Ah, bonjour Richard. Comment ça va? Et vous? Et Poupette, alors, qu'est-ce qu'il a dit le vétérinaire? Ça va, rien de grave. Ah, bon. Et il faut juste changer de croquette. Ah, ouais. Mais c'est gentil de vous en inquiéter. Oh, c'est normal. Bon, je dois filer, j'ai un rendez-vous. Ah, très bien. Au revoir Richard. Au revoir. Et le bonjour à Poupette, hein? Oui, j'y compte pas. Ah, merci Manuel, c'est super vétérinaire. J'ai pas bien compris l'histoire du lapin, là. Il s'est fait percuter par une Mercedes noire. Une femme et un gars sont sortis, l'ont mis dans leur coffre et ils sont partis. Elle est où, cette Mercedes, maintenant? Tu les connais? Où on peut les trouver? Parle! Par où ils sont partis? Ils habitent dans des caravanes un peu plus loin. Elles sont où, ces caravanes? Bonsoir, hein, ils sont toute famille. Mais parle, on s'en branle! Tout droit, toujours tout droit, un peu plus loin. Ne me tuez pas! Laisse-le partir. Je comprends pas. Les corps ruinés cette ville. Les touristes viennent plus, il y a des flics partout. On supprime des postes sur les ferries. Les migrants foutent un de ces bordels, c'est vrai. Ah bah je t'ai déjà dit, c'est pas possible de penser comme ça. Je pense comme ça parce que c'est vrai. Je vis ici, je sais de quoi je parle. Tu dis plus rien. Laisse-moi ici, je vais récupérer mon vélo. À la conquête de la planète Mars. Et si la mission est un succès, la Chine devancerait alors les États-Unis. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment on en est arrivé là? Stanley Kubrick. De quoi? En 69, on a réussi à faire croire au monde qu'on avait marché sur la Lune. On a pris Stanley Kubrick, il a filmé des faux plans dans un studio, et on a niqué les Russes. Et ben là, on n'a qu'à faire pareil. On filme des faux pas sur Mars. Il a raison. Faut faire ça. Appelez Kubrick. Il est mort, monsieur. Je suis redescendu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein conseil. Georges a fini par me rappeler. Ça va repartir en couille comment? Comme avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi. Tu tiens juste tes 24 heures. Et demain, on en reparlera. Avec tout ce que t'as traversé, tu peux pas lâcher. T'es là? Monsieur le maire, c'est... J'arrive. D'habitude, on arrivait à se parler. Mais là, impossible de lui dire. Incapable de faire marche arrière. Aujourd'hui, j'étais venu fêter mes 13 ans de Lille. Et en fait, j'ai un fêter 24 heures. J'ai les communiqués de l'opposition. C'est pas possible, ils ont un générateur automatique de discours dans leur QG. Alors, parti du centre. Pensez-vous vraiment que les gens voudront de vous? Après ce qui vient de se passer? Tu voulais me voir? Le rappeur. Ça te parle? Ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu voir sa tête. Il y a une guerre ouverte avec d'autres rappeurs qui voulaient faire sa peau. Bon, je te passe les détails, mais il y a plusieurs sites impliqués dans le conflit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il me faut plus de moyens. Et si on fait rien, ces jeunes vont s'entretuer. Le gouvernement est en train de réduire les dépenses. On va pas engager des millions pour une querelle de rappeurs. Tu as vu les sondages? Les gens votent à gauche parce qu'ils se sentent dans le confort. Installent un climat d'insécurité et se remettront massivement à voter à droite. Et la droite, c'est nous. Alors si des rappeurs veulent régler leur compte, moi je dis tant mieux. Et surtout qu'ils se loupent pas. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. C'est ma cicatrice que tu regardes comme ça. T'inquiète, c'est pas grave. Bon. Les gars, on a un gros problème. Il reste plus qu'un mot. On est coincés. Et c'est ta faute, Ray. Mais c'est pas grave. Je m'y suis pris à temps et j'ai trouvé la solution. Pas moi. Le problème, c'est que Ray revend la cocaïne coupée par Da Vinci au fournisseur de Jacqueline. Ce qui fait que la coke que nous achetons est celle coupée par Da Vinci. Ah, en fait, c'est une boucle. Bref.